Michel et Augustin ont des tas d'histoires à nous raconter et des rêves à nous faire partager. C'est d'ailleurs grâce à leur imagination débordante qu'ils se sont fait une place aux côtés des géants de l'agroalimentaire. Avec quelle idée ? L'idée, c'est de concocter des petits sablés ronds et bons, gourmands, sains et le plus naturel possible. Et après les petits sablés, sont nés la vache à boire, la vache givrée qui est une glace au yaourt et bientôt une gourde de fruits frais avec des fruits entiers mixés. Devinez quoi ? Dans le pays de la gastronomie, leurs produits connaissent un succès incroyable. Chiffre d'affaires, on va faire un peu plus de 6 millions d'euros en 2008 et en résultat, on parle en unité de kangou. Donc ça va être quelques kangou. Voilà, donc on est en très forte croissance, on fait quasiment x4 par rapport à l'année passée. Et on a envie vraiment d'en faire une aventure gourmande, saine et le plus naturel possible, mais populaire aussi dans la distribution. Donc on n'est pas une marque bobo ou de niche, on a vraiment envie d'être partout là où on peut s'acheter quelque chose à grignoter ou à manger. Et alors, être sélectionné par les lecteurs de chefs d'entreprise, quel intérêt ? Dès qu'on a la possibilité de faire découvrir les produits en les faisant déguster ou en parlant de la marque, c'est le mieux qu'on puisse faire pour le développement de notre petite entreprise.